Donc c'est parti, aujourd'hui on va démonter pour faire un joint de culasse. Donc on va essayer de trouver la vis qu'il faut. Alors là, ce que je l'ai fait. Avec la mayonnaise au fond en plus. On va faire enlever la vis là ici. Tirer la batterie. J'ai oublié de le lire, enlever la batterie comme ça on est tranquille. Voilà. Le
parti, on est tranquille déjà. Alors, maintenant, on va essayer d'enlever ce tuyau. Et voilà, déjà ça en moins. On y voit un peu plus clair déjà. Hop, ce qu'on va faire maintenant. On va laisser ça comme ça. La bouline d'allumage. Ça comme ça, et on enlève les faisceaux. Et voilà, les faisceaux retirés. Je vais pas mettre une nouvelle paire de bras, hein, parce que c'est une casse-couille.
Et voilà, on commence à y voir un peu plus fort déjà. Un petit peu plus. Hop. Alors maintenant, on va faire quoi? Maintenant, on va retirer. Ce support. De bobine. Ce qu'on fait en défait. On défait la sonde de température et la jauge. Hop. Alors on commence à avoir accès déjà. Hop. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va retirer le câble accélérateur. Comptez les bons qu'il y a dedans. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Entre 8 et 9e. D'accord. On enlève le câble d'accélérateur. On commence à y voir un peu plus clair. Maintenant, on va retirer. On va retirer le problème. Donc, pour ceci, il faut une clé de 8. Clé de 8, on va retirer. Le
petite vis, c'est pas lui là. Sur la vis, qui est vraiment aussi pas du tout, on va récupérer. Quelque part ici, on va la récupérer après. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va retirer le support moteur. Vous voyez, on a retiré déjà le support, le calculateur, déjà la mine d'allumage. Donc on va essayer de retirer le reste. Maintenant on va pousser tout ça ici. Là on va retirer le capteur de distribution. C'est le capteur distribution. Hop là. On est là. On pourra retirer le support moteur. On va mettre un cric juste en dessous. Thank you.
Hop, on va retirer cette vis-là pour enlever le support moteur. C'est parti. Une clé de 17 dedans. Et là, on tourne avec, le ticket au-dessus. Hop. Dur, mais faut faire avec un. Voilà, normalement, il est retiré. Je vais retirer le bouton 17 avec. Voilà, support moteur retiré. Donc là, il faut bien penser à le mettre en dessous avec un cri pour supporter le moteur. Et voilà. Voilà, voilà, donc c'est terminé pour le moment. On se retrouve à la prochaine vidéo pour le reste du démontage. À bientôt.